Bonsoir à tous les amis fidèles de la télévision Island TV. C'est avec un pile plaisir jeudi à mon côté pour notre deuxième sortie journal là rapidement en regardant ensemble avec moi qui grand point qui a dominé l'actualité. Ministère d'éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Manuga visité centre examen dans lycée national Pétionville dans l'idée pour garder comment examen a déroulé et puis parler avec divers candidats pour demander yo qui changement yo ta rien qui porter dans prochaine année académique là et puis faire connaître diverses dispositions qui prennent pour élèves qui paguent dans civil et prévenir vieux à cause de l'insécurité. Jeudi à 21 juin 2022, c'est la deuxième journée examen 9e année fondamentale côté plusieurs candidats dans la région métropolitaine entrer dans la salle classe pour composer. A LNTV te visité pour voir comment l'état d'esprit candidat y est et puis comment lui-même y a passé l'examen ça malgré l'autre zone des élèves qui paguent composer à cause de l'insécurité. Unité de lutte contre la corruption ULCC organisée jeudi mardi 21 juin a atelier présentation sous avant-projet loi qui visait protection lancée à l'aide dénonciateurs, témoins, experts et victimes dans matière pénale et un projet loi ça visait protection tout le monde qui voulait aider la justice là dans porter plainte lancée à l'aide dénonciateurs et témoins non matière pénale. Fonor dans notre tête collé à la plateforme Révolution Haïti et puis comité 100% diaspora annoncé mobilisation sur tout le territoire national là 7 juillet qui vient là dans cadre commémoration yon l'année la mort ancien président Jovenel Moïse dans ville Konaïve. Yon façon pour voyer un signal by tout pour gars compi. Voilà amis téléspectateurs, c'est ensemble pour ça yo à pilote qui pral développer et branché pas déplacé. Merci là, ce que toujours été branché les amis téléspectateurs mes développements journal là. Jeudi 21 juin 2022, c'est la deuxième journée examen 9e année fondamentale côté plusieurs candidats dans la région métropolitaine entrer dans la salle classe pour composer. A LNTV est sous place pour visiter comment état d'esprit candidat yo et puis comment yo même y a passé l'examen ça malgré gen en pilote zone gen élèves qui pas ka composer à cause insécurité ya. Gadi Bartelmi avec Peterson Pierre est sous place pour plus de détails en suivant. Bonjour tout le monde, jeudi à nous dans le lycée national de Pétionville. Jeudi à c'est deuxième journée d'examen et 9e année fondamentale. Et pour le moment, et nous dans le lycée national de Pétionville, je nous dis là, pour nous venir garder exactement comment l'examen a déroulé. Jeudi à nous avons supposé gagner une visite guidée avec le ministre de l'Éducation, qui est Nesmi Maniga, mais malheureusement qui est renvoyé, mais ça a poussé nous. Et pour nous à vérifier dans quelques salles d'examen comment élèves yo et pour nous parler ensemble avec surveillant et puis responsable centre d'examen pour nous voir exactement comment et deuxième journée d'examen 9e année fondamentale là a déroulé. Nous invitons à suivre, nous allons regarder comment ça y est dans salle d'examen. Jusqu'à cette présente minute en ce qui concerne examen 9e année pour centre lycée national de Pétionville, ça marche très bien. Nous gagnons un effectif de 660 candidats qui avaient nous là, qui ont composé depuis hier, dans une atmosphère qui est sereine. Et jeudi, mardi 21 juin, et puis deuxième jour, Timounio là, il a composé dans, matin, il a composé dans la communication créole. Et dans une minute, ça n'a pas parlé, il a composé dans sciences sociales. Et à une heure, il a gagné pour composer dans anglais. Alors, jusqu'à présent, tout le monde a déroulé très bien et dans le centre lycée national de Pétionville. Nous avons gagné 20 salles. 20 salles, 33 candidats par salle. Chaque salle a gagné 33 candidats. Bon, gagné au niveau quelques salles, nous capables de gagner un candidat ou deux candidats qui absent. Mais en gros, tout répond présent. Tout répond présent dans ce temps. Non, depuis hier, vous comprenez, depuis hier.
et qui absence ça les produits. On voit un ou deux graines, mais il pas en pile. Non, au niveau lycée national de Pétionville, pas de question intrus à pénétrer centre là. Parce que nous prenons de très bonnes dispositions et le ministère prend de très bonnes dispositions. Vous voyez sécurité banon et pas gagner intrus taper et pénétrer dans centre là pour ta antigen et intimider timoun yo, paniquer timoun yo. Non. Et tout va dérouler très bien dans centre national de Pétionville. Et faut me dire non et moi me dit ça au niveau du lycée national de Pétionville tête cabrit là en bas main bon cuisinier, li pas gâté. Li pas rabi, li en bas bon cuisinier, vous comprenez, li pas gâté. Commencement m'a saluer la presse, m'a dit merci pour votre intervention ça. Disons que pour un premier début, moi senti moi à l'aise. Examen était vraiment facile et moi remercie ministère là parce que examen était vraiment facile. Bon pour moi facile, par contre si pour l'autre élève facile seulement. Moi côté que année qui a venu CNLS, un m'a bien m'a étape ça encore. Ça affecte moi. Donc disons que quand fait mal tout pour timon en bas matisse et tout. Ça affecte moi parce que à chaque fois que m'a proposé, m'a songé yo même qui était dans souffrance qui pas fin faire tout 39 mois à l'école yo à nous même yo même parce que tant que nous même dans petite ville là, nous fait tout 39 mois à l'école nous en bien pas rien qui affecte nous tout ça. Bon, m'a dit yo prend courage. Yo et un jour l'autre situation en bas a changé pour yo. Bon pour moi même examen c'est très a déroulé très bien parce que c'est si il a respecté les normes. OK? Donc il est pas composé avec matériel non mais yo, c'est excepté plume, instrument géométrie et moi il a dégagé assez bien. Donc moi connais gain on sentence passé normalement et qui dans règlement qui pas pédagogique, moi pense que élève ça il a sanctionné. Bon candidat yo moi très zélé au niveau de évaluation yo parce que moi yo fini avant l'air yo avant l'air arrivé que yo gétan remettre pays gien quantité remettre donc senti examen nan koul yo. Bon examen était très bon, il très facile. Bon comme si c'est première fois moi à l'examen et qu'on a fait peur dit que ça examen est difficile ben ça m'a pas examen difficile passer ça. Bon examen était très facile et m'a passé. Et sciences sociales, anglais, créole. Mais c'est très facile. J'ai entendu qu'on a des examens en dieu, pourtant le bac dit comme ça. Mais si pas étudier vraiment, on va pouvoir le dire. J'ai bien préparé pour ça et m'a réussi. Je comprends ça et ça fait gros impact sur moi. Je me dis merci tout parce qu'il va mettre dans la situation ça. Moi, je me dis pour quitter zone côté et après retourner l'autre côté. Côté local composé à l'aise, pas de problème de sécurité. Voilà, c'est mes téléspectateurs, nous sommes des déclarations, plusieurs candidats eux-mêmes qui viennent proposer jeudi mardi. Et fait connaître que l'examen est facile et eux-mêmes toujours envoyer des mots d'encouragement pour l'autre élève qui n'a pas qu'à les proposer à cause d'insécurité. Et nous avons gardé tout, plusieurs et responsables du centre d'examen, superviseurs et directeurs du centre d'examen lui-même. Yo te bay avi pa yo concernant candidat yo qui vient proposer qui gagne un bon comportement et yo fait connaître tout pas gagne aucune dérive pendant journée examen 9e année fondamentale là a rectifier et yo fait connaître tout et responsable et centre d'examen fait connaître ministre éducation Nesmi Maniga li gagne pour li vini dans centre d'examen malgré gagne petit contretemps mais nous même nous là n'a regardé comment ça a déroulé en dans centre d'examen lycée national de Pétionville. Merci Nelka, maître Prince Studio, c'était Gardi Barthélemy avec Peterson Pierre pour Island TV. Ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga visité centre examen dans lycée national Pétionville dans l'idée pour regarder comment examen a déroulé et puis parler avec divers candidats pour demander yo qui changement yo ta remet qui porter dans prochaine année académique là et puis faire connaître gain divers dispositions qui cal prend pour élèves qui pas gain temps civi et prévenir vieux yo à cause insécurité ya ministre là faire yo connaître examen yo raté ya y a fait l'autre semaine. Plus de détails dans le micro de Barthélemy à Capitaine Pierre. Qui s'en a changé l'année prochaine? Parce que nous avons dit que nous avons fait un peu de secondaire. Oui. Qui s'en a changé l'année prochaine dans l'école? J'ai l'école la fête, j'ai l'organisé. Bon, l'année prochaine, je suis seulement
mettre du côté de l'école là même. Pour le ministère, tu as passé fort y visiter. Dis quoi de l'école là et qui casse. Collège Adventiste de Petroville. Mm-hmm. L'IA face, l'IA school là. Je t'ai remis pour le ministère, tu as passé visiter. Je voyais là le composé. Il y a quelques résultats. L'Elvin pour le résultat, tu as balisé seulement, ça me donne un échange. Il y a dans les autres. Ok? Et vous même, qui sont dans les médecins? Bon. L'année prochaine, vous avez un échange. Je demande que vous mettez plus d'infrastructures tant que. Parce que presque sous le même contexte avec ma fille Fichéry, il te parlé de. Tant que si tu n'as pas composé là, pour qu'on finisse payer. Et il n'y a pas de belle fiche là. Je demande pour l'État de passer maintenant ça. Parce que moi, j'ai un ami qui. Je ne sais pas si il a fait des examens, mais il mal des fiches, il n'y a pas de balle. Année, ça a une condition très difficile. Insécurité, kidnapping. 400 000 parents font effort pour 200 000 personnes qui viennent examen là. Je dis toujours ça, dans le pays côté l'école privée, en majorité, les parents prennent pour les parents prêtent, ils font un sacrifice, lever 4 à 5 heures du matin, accompagner les gens, et jour ça, c'est jour pas eux. 3 jours ça, c'est jour pas eux. Élèves ont tout besoin d'encouragement, ils subissent un traumatisme. Je dis, on a gagné 3 examens. Yo fin fait examen communication créole, yo fait examen sciences sociales, yo parlé de sujets ont été traités yo dans communication créole, yo te poser question sur handicap ti moun gen, sur inclusion, dans sciences sociales, yo parlé de constitution pays hein. Et ça permet que ministère comprenne plus bien qui gens l'école là doit fonctionner et qui effort pour faire pour que l'année cap venir yo. Examen, ce n'est pas seulement punition liée, parce que nous obligés si nous venons de Chita répondre à questions pour nous assurer de ça. Mais depuis que nous l'école l'a fait, là, nous déjà connaissons déjà à qui ça n'a pas tenu. Ministère, ce n'est pas seulement examen pour classer si nous par 1, 2, 3, 4, ensuite pour dire au passé ou pas passé au fait. Ministère, dans 12 mesures, fait évaluation nationale. En essence, nous avons évaluation nationale en 6e année. Côté que c'est là sa ministère prend temps pour l'évaluer professeur, pour l'évaluer système dans quelques disciplines, dans la communication française, dans la communication créole et dans la mathématique. Et nous parlons qu'on est résultat retour pour le ministère prendre décision sur qui j'en ai capi bien formé enseignant et qui j'en ai remanié actualiser le curriculum. Ça aux différents examens. Ministère, aujourd'hui, en deuxième journée, nous presque fini journée. Hein? Nous, ailleurs, avons constaté 95% au niveau national taux de participation. C'est très encourageant. Malgré grand pile difficulté qu'on a l'école dans certaines zones, pas de cas fonctionner ou pas de cas fonctionner pendant tout le temps. Mais ça, quand pile année, nous n'avons pas une année tranquille comme ça, côté l'école a fonctionné, côté majorité de l'école arrive bouclée, malgré son barredi, total calendrier l'école là. C'est une bonne année parce que, après pays loc, après COVID-19, ce n'est pas un programme à compétences minimales, c'est tout programme net qui passe dans l'examen et le ministère pour vérifier la qualité d'apprentissage. Nous avons 930 centres examens, 314 centres examens dans l'Ouest. Et bien, aujourd'hui, nous satisfaisons que tous les centres fonctionnent, que plus de 200 000 personnes ont passé l'examen. Et que quelques pas de occasion dans la zone Torsel Pernier passe examen, la direction départementale l'Ouest va avoir l'opportunité avant la semaine finie pour faire examen. Vous avez des spectateurs, nous vivons un moment pour nous observer. Deuxième pause noire, était branché par des places. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais restez formation nous.
Unité de lutte contre la corruption ULCC organisée jeudi mardi 21 juin, yon atelier présentation sur avant projet loi qui visait protection lancée à l'aide dénonciateurs, témoins, experts et victimes dans matière pénale. Dans ces circonstances, la Anza Jacques Ludwin Joseph, directeur général ULCC, a fait connaître. Projet loi ça vise protection tout le monde qui voulait aider la justice là dans porter plainte lancer alerte dénoncer à quatre témoins non matière pénale il fait connaître tout démarche ça vital pour démocratie et état des droits Haïti commencer à répondre à quelques exigences internationales à travers engagement il était prendre enquête en convention Nations Unies interaméricaine contre corruption Wesberg René à Kakawinperville était présent pour Ellen TV en suivre. À travers l'élaboration d'une série d'avant-projets de loi pour le moins indispensables dans la réussite de la lutte pour la transparence, pour l'imputabilité et la redevabilité. Cette dynamique traduit la volonté politique manifestée par les plus hautes autorités du pays de construire sur la durabilité en dotant la République d'instruments juridique approprié et adapté à la situation continuellement évolutive et à des pratiques corruptives constamment renouvelées. Après le succès de l'atelier du 2 février 2022 sur l'avant-projet de loi portant le libre accès à l'information, l'ULCC continue cette belle et utile aventure en élaborant conformément à l'article 18 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption cet avant-projet de loi phare visant la protection des lanceurs d'alerte, des dénonciateurs, des témoins, des experts et des victimes en matière pénale. Par cette démarche qui se veut vitale pour la démocratie et l'état de droit, Haïti est en train de répondre également à plusieurs recommandations internationales et à ses engagements pris par la ratification des conventions des Nations Unies et interaméricaines contre la corruption qui toutes les deux soulignent avec clarté, l'importance pour chaque État signataire de se doter d'un texte normatif protecteur des lanceurs d'alerte et des dénonciateurs. Ces guetteurs, ces veilleurs, ces diseurs de vérité, une vérité généralement dissimulée, une vérité parfois persécutée, dont le prononcer soit par un signalement ou par une dénonciation à la vertu d'empêcher la commission d'actes préjudiciables, d'actes contraires aux valeurs sociales protégées, d'actes aux conséquences néfastes et irréversibles. Protecteur après OPC Amos Auguste Sobopali fait connaître, c'est une étape importante qui visait consolider l'acquis juridique national, lutte contre corruption dans le pays. Il fait connaître toute initiative s'il a inscrit dans la démarche pour renforcer le dispositif normatif dans le domaine de la corruption. OPC bat bravo pour l'initiative ça qui d'après eux transparent, qui basé sur le principe avec valet droit moun. En suivant Amos Auguste dans le micro, Wesberg René à Kakawinperville. À l'ULCC et à ses cadres qui réalisent un excellent travail. Monsieur le directeur général de l'ULCC, cadre de l'ULCC, mesdames, messieurs, la présentation de cet avant-projet de loi soumis à votre appréciation aujourd'hui constitue l'une des étapes importantes visant à consolider les acquis et à mettre le cadre juridique national de lutte contre la corruption en conformité avec la Convention des Nations Unies contre la corruption, notamment les directives techniques adoptées en la matière. En effet, mesdames, messieurs, monsieur le directeur général, l'atelier que vous avez réalisé le 2 février de cette année sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi
portant sur le libre accès à l'information, sans oublier la création du circuit anticorruption lancé officiellement le 24 février dernier, s'inscrivent dans cette dynamique de renforcement des dispositifs normatifs haïtiens dans le domaine de la corruption. En sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, l'OPC se réjouit d'être parmi les témoins privilégiés de ces initiatives réalisées sur une base transparente et dans une approche fondée sur les principes et valeurs des droits humains. Car, comme vous le savez tous et toutes, le phénomène de la corruption demeure un obstacle majeur à la jouissance et à l'épanouissement des droits fondamentaux, particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels. Pays Haïti a fait face à une crise là dans une sécurité qui passe six semaines sans cacher peuple. Système justice là tombé plat à terre, impunité à prégner, c'est dans perspective ça il y a un débat qui a fait sur question un éventuel retour peine la mort en Haïti. Nous avons déjà parlé à quelques citoyens qui déjà baillent opinion. Nous avons continué avec ce reportage n'a fait sur dossier. Est-ce que la peine la mort capable de mettre fin à l'insécurité en Haïti? Nous avons suivi un dossier spécial sur question avec Jélène Joassin à Kakervin Loriston. Reportage ça entre dans cadre d'une série reportage n'a fait sur même dossier. Jean tout le monde connaît ça, pays d'Haïti a fait face à qui on partie dans l'histoire li qui terrible. Toute qualité crise gangrené pays à nan gorge, ça qui multiplié groupe gang armé yo dans quatre coins pays d'Haïti. Ça la cause insécurité sans limite à taille mandat. Non seulement gain insécurité, mais système judiciaire haïtien pas répond. Impunité a ferraillé. Ça la cause, bandi yo jwenn plus boulevard pour yo laite koyo. Yo gen plus confiance dans ça yo a fait yo. Ça permet capacité yo augmenter. Yo l'autre côté, gen peuple haïtien qui pas suspend souffri dans zak banditis ak criminalité. C'est la même ordre l'idée ça, gen yon débat ka fait dans société a sou yon éventuel retour la peine la mort en Haïti pour si pays a ta capable raler en souffle en bas insécurité ça. Pour ça, constitution 1987 là na article 20 li aboli question peine la mort dans toute matière en Haïti. C'était une bonne décision, une bonne précaution constituant yo na époque là te prend pour empêcher tyran yo touyer peuple haïtien nan non la loi. Mais tout ça yo c'était avant. Jodi a conjoncture pays a évolué. Est-ce que pata doué gen évolution dans la loi tout? Arnel Rémy, c'est avocat, li se défenseur droit moun, li d'accord pour la peine la mort retourner en Haïti. Mais li précisé. Moi pense ça. Parce que gen de cas de criminalité qu'a fait dans le pays. Il y a des gens qui ont dit prison pas suffit pour nous. Donc, il y a là, que dit la loi? Pour nous retourner avec 22 mois là, il faudrait un chambardement de notre législation. Parce que c'est voté pour être à côté, c'est à travers un référendum. Maintenant, pour être d'accord, est-ce que 22 mois là a intégré la société? L'aura des prisons à évadé. Ils ont cassé. Maintenant, ils ont supposé passer mais en dans constitution, mettre en question et puis pour faire population voter si ou non d'accord ben de bon. Oui, Maître Rémy pensait c'est un référendum qui pour fait pour population en choisi. Les belles raisons qui fait la peine la mort t'a doué retourner dans pays. Bon, c'est pour là ça peut vous casser. Tout le monde s'est arrivé, on t'a comprendre que au ballon même notre ben mon perpétuité. Ils ont contacté, ils ont sauvé. Mais pour lancer un signal clair par rapport à ce qui arrive et à la criminalité qui ne cesse d'augmenter, je pense qu'il y a une décision qui est très drastique pour prendre. Juste pour freiner. Alors, il n'y a pas freiner totalement, mais son exemple clair qui est bandit après le web pour qu'on écoute, ainsi que le bagage, mais ça a passé. Même penser qu'il y a plus de réflexion. Il faut que la société réfléchisse sur ça pour connaître si ou non, ou même, 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 ou
Mais l'aide considérée organisation droit mounio, est-ce que la peine la mort capable refaire si face en Haïti? Anel Rémy pour tes précisions. Parce que nous sommes à l'ère de la modernisation du droit, nous sommes à l'ère des droits humains, nous sommes à l'ère des droits fondamentaux de la personne humaine. Quand il y a toute grande organisation de droit, est-ce que, écoutez, par rapport à ça, on a dit que ce matin, est-ce que au regard des droits humains, il permet? Ça me dit non. Au regard des droits humains, est-ce qu'il permet? Donc, quand il y a c'est tout élite, acteur, société civile, bah, on est avocat, juriste, juge, qui vous jetez ensemble pour étudier, pour réfléchir ensemble. Ou nécessité, si bien nécessité vraiment pour retourner avec les sanctions ça, c'est bien de voir. Pasteur Jean-Claude, c'est Youn Namoun qui parlait en pile sous question la peine de la mort. Avant la mort, li, pasteur a été clair sur ça. Moun qui retire la peine de la mort dans un pays, les gain problème dans le pays, a, c'est un moun qui révolté contre la justice. Moun qui a retiré la peine de mort, les gain problème dans un pays, c'est moun qui révolté contre la justice. Au pays pas capable la peine de mort parce que tout pays qui pas la peine de mort ouvert au vagabondage sans fin. Au pays qui retire la peine de mort la Kaili, son pays qui condamné pour vagabondage dévorer les pas jamais rien parce que justice pas jamais capable établir dans pays ça. Selon défunt pasteur Jean-Claude, justice là doit égal à crime qui commet là. Il faut que la justice prononce des jugements proportionnels au crime commis. Si crime n'a pas joindre en justice qui proportionnelle à lui, crime n'a pas besoin de suspendre. Dans le moment côté mon a parlé des affaires nouveau constitution en Haïti, pasteur Jean-Claude Louis Saint pensait ces moments pour constitution 87 la fini. Pasteur Abaye une référence biblique pour le corriger Tesla. Jodi a tout moun a parlé de nouvelle constitution en Haïti. C'est le moment pour prostitution ça. Constitution 87 la temene ban nou en suspend. Ou a kidnappé moun. Exode 22, verset 20 très clair. Ou moun ki kidnappé moun. Ou moun ki viole fi. Ou moun ki séquestré moun pour revendre yo. La Bible condamné à la peine de mort. Depuis dans Genèse nous lit ça. Si par un homme, le sang d'un homme est versé, par un homme, son sang doit être versé. La peine de mort est divine, pour ne citer pasteur Louis. La peine de mort est divine. La peine de mort est une décision par arrêté de Dieu. Tout coton moun retire la peine de mort ou condamné pays ou pour injustice détruite. Et si haïtien, cap servi mon Dieu, conscient de la vérité biblique, yo tout te doit lever voix pour dire oui à la peine de mort, non à l'impunité. Nous contacter Rosemont Jean qui c'est un militant politique sous question 1, li penser faut gagner une consultation populaire avant. Li crainte pour oligarque corrompu, selon ça le dit, pas utiliser question peine la mort contre peuple haïtien. Si pour ta rétablir peine de mort, faut que ta gagner une autre consultation. Faut que ta gagne l'autre consultation populaire. Et dans le cadre de ce référendum, nan, et dans la nouvelle adoption qu'on a population, la nation pourra le prononcer sous question peine de mort. Parce que en Haïti, par rapport à la façon dont on a fonctionné, le système dont on a fonctionné, le système de justice dont on a fonctionné, impunité, illégalité, souvenez avec une peine de mort, il faut bien réfléchir pour ne corrompre pas utiliser le camp. Moun ki ap défend droit yo par rapport à oligarque yo pa utiliser le contenu. Tant que j'ai fait jodi a avec un système justice haïtien jodi a là ou pas ka venir avec peine de mort parce qu'il pas équilibré, pas gain justice et gain des bagages qu'a fait qui pas normal. Vous comprenez dans système justice ça. Gardez gens système justice ça met ensemble yo assassiner le président de la République. Ou pas ka faire système ça confiance pour bal pour y a plein pouvoir pour l'appliquer la peine de mort. Question pour retourner avec peine de mort, ça m'a dit pile travail, ça m'a dit pile réflexion, ça m'a dit en pile réforme au niveau monde qui apprend en train d'appareil justice. Parce que ce n'est pas justice ça qui n'est pas bon.
mais c'est moun qui entre dans justice ça pas bon. Avec du bon travail qui doit faire pour nous entrer de bon responsable, de moun objectif, de moun valable dans le système judiciaire et sous base ça nous avons un système justice qui répond à situation délinquance que pays a trouvé le jour d'hier. Plus que 35 ans après la peine de mort abolie en Haïti, est-ce que li nécessaire pour yo retourner avec lui encore? Ça entre dans cadre d'une série reportage n'a fait sous dossier ça. Restez suivi. Amis téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer la troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais restez informations nous. Fonor dans notre tête collée à la plateforme Révolution Haïti et puis comité 100% diaspora organisé mardi 21 juin une conférence pour la presse dans cadre de préparation commémoration de l'année la mort ancien président Jovenel Moïse dans ville Gonaïve. Coordonnateur Fonor de Rosemont-Jean mandé pour gagner une mobilisation sur tout le territoire national pour commémorer journée 7 juillet en signe reconnaissance. Une façon pour voyer un signal by tout oligarque corrompu qui pas fait rien pour retirer population dans une situation difficile li trouvé journée jeudi a côté la vie chère avec insécurité à taille banda en surprise d'état dans micro Jules Vincent Bernard à Crash Blanfort Wyland TV. Moi tendais contre côté Ronnie Gilles et William Joseph you n'a dénoncé l'autre mais il y a plus bagaille qui pour faire ces manifestations pacifiques avec fermeté, avec discipline, pour nous voir un signal by oligarques corrompus, pour nous faire comprendre, même lorsque ils ont injecté l'argent, mais ils n'ont pas enterré ça Jovenel Moïse t'a fait. Nous rendons compte, ils n'ont pas inauguré aucune compagnie électricité Jovenel qui était fini fait. Nous rendons compte. Rosemont Pradel, au lieu de mettre compétence, au lieu de chercher expertise, il cherchait moun metavel pour lui dire pour ta utiliser cinq compagnies ça Jovenel Moïse Moïse quitté puis on t'apprendre puis on t'a servi avec pour payer pour continuer faire autre etc. Il plutôt dit oh oui toute décision projet Jovenel t'a fait on va gagner pour l'égalité. Ça veut dire l'op travail pour développement au peuple. Les nègres la fini, ils ne sont pas dans la même longueur d'onde avec pas après même ou d'abord, ils ou pas dans l'égalité. Parce que ça qui est légal là, c'est quitter peuple haïtien dans la malpropriété qu'il est là. Ça qui est légal là, c'est quitter gang armé envahir tout pays. Ça qui est légal là, c'est quitter peuple là dans le grand goût, dans la crasse, dans la marasme économique. Lié là, c'est ça qui est légal. Mais toute initiative à prendre pour changer conditions sociales, pour changer conditions économiques, pour chercher condition la vie moun ki pi mal yo, c'est des actions que constitution nèg sa ok la qualifié d'illégalité. Eh bien, monsieur dame la presse parler, presse écrite, presse télévisée, média en ligne qui là sans pas de jalousie, encore nous remercier la presse spécialement en dehors de toi presse, on prend le cas Télé Guinée, qui est mémoire travail président Jovenel d'Afrique. Léon Bor, responsable de la plateforme Révolution Haïti, Wadley Mito, dont je dois être sur un ancien sénateur, Yuri La Tortue, comme on a capturé Gangzam pendant les 10 laps assimés saleté 22 avril pour dénoncer des actes malhonnêtes malgré poursuites judiciaires ancien sénateur entamé contre eux. Responsable après Wadley Mito, profiter by raison qui fait l'été refuser sommation ça dans micro Jules Vincent Bernard à Crash Blanfort pour Ellen TV. Décidé attaquer nous en justice parce que nous dénoncer parce que dans pays ça nèg yo montrer c'est celle yo qui dénoncer moun là on a parlé de le deux honorables pour la tortue monsieur 30% qui lui-même dans cadre commémoration l'an mort président Jovenel Moïse. Il a préparé avec moun la Tibonite pour nous faire école au niveau Gonaïve. Monsieur a senti l'estomacé parce que m'était fait une déclaration 22 avril
qui te dit et me réitérer déclaration maintenant maintenir me camper d'elle. Nous te dit que s'il a parlé de $50, l'a font coup de Dieu sous femme la tortue dans Léogane la pour partie la donne. Nous te dit que c'est lui qui a mis gang dans Gonaïve parce qu'il t'a déclaré dans Gonaïve il qu'a font l'autre 2004. Tout le monde connaît 2004 Gonaïve pas fait à roche ni à bâton. Ça zam li te fait. Qui donc li prouvé à clair et li a mis gang yo pour moun ou bien pour correspondant qu'on a baille nouvelle yo. Nous te content des zam dans manifestation et oui qu'on a mis en zam yo. Jodi a li gon plan de sécurité zé depuis le tombé le grasé. Donc pour la ville offrir population pendant ce temps la caille li nan fief li conditions de gars avec nèg améo pas respecté, li pas ka des amis la caille. Pas oublier même pour la tortue ça. Nous te dit que le gain de $50 dans ferme la tortue nous mettre nul et jodi a nous dans presse nationale là nous redit encore parce que ministre éducation à l'époque là qui c'est Jean Dawson Jean Beauvoir c'est Youri la tortue parti en Haïti en action te baili tout le monde connaît non parti politique ba au ministère ministère ça travaille au bien-être du parti quoi pas gain débat sur ça qui donc te gain trois présidents s'il a fait appel à trois présidents qui dans $50 là que yon te dit yon t'a construit l'école avec yon, dans le programme FME. Y a brûlé le président Joseph Michel Martelly, y a brûlé le privé, y a brûlé Jovenel Moïse. Qui donc? Y a brûlé le ministre de l'Éducation nationale là, qui c'est Major Jean, qui t'a géré font ça. Pour raison ça? Nous pas de répondre sommation pour qui ça? C'est parce que yon te convoqué Winter Etienne, yon nan chef gang tout puissant go naïve. En de fief raboto porte-parole Youri la tortue qui te dit qu'il lance roquette pour mayo qui dès commissariat Gonaïve là qui t'es commissariat pour lancer lance roquette puis loin responsable antenne comité 100% diaspora Jacques Agari dit li remarquer diaspora c'est un pilier dans affaire économie pays a mais ça pas empêcher yo toujours derrière dans ça qui concernait pays a c'est une raison qui fait comité a choisi prendre responsabilité commémoration la mort ancien président Jovenel Moïse la 7 et 8 juillet pendant Jacques Agari mandé yon tête ensemble pour réussir initiative ça en suite intervention toujours dans micro Jules Vincent à Krasna Fort pour Island TV diaspora yo même yo croire dans justice sociale président Jovenel Moïse t'a fait et là nous parler de justice sociale. Et justice sociale, nous avons des oligarques corrompus. De nos jours, nous mettons un couvre-feu sur tout ce que président Jovenel Moïse a fait. Et nous avons la diaspora qui pèse 100% dans l'économie du pays. Et à chaque fois que nous avons besoin de diaspora pour la diaspora font des choses, nous faisons appel ensemble avec eux. Mais quand il s'agit pour la diaspora intégrer, pour investir dans les affaires pays, eh bien, vous mettez à l'écart. Et c'est raison ça, le comité 100% diaspora mettez tête ensemble pour vous dire, jour cap 7 juillet, ce n'est pas un jour cap passé inaperçu. Vous mettez tête ensemble, quel que soit le département, nous avons pris en mise en charge déjà, pour nous offrir, président, une commémoration digne dans 10 départements. Et là, nous parlons des 10 départements, nous prenons Carrefour, nous mettons comme un département dans l'ouest là, parce que moun Carrefour n'est pas capable de descendre pour venir dans l'ouest là. Et il y a rejoint ensemble avec, moun Léogane, moun Gressier, moun Mariani, pour nous capables d'offrir une commémoration qui dit. Et c'est raison ça, nous même nous élancés, jour ça, pour tout peuple haïtien, mettez tête ensemble. Ensemble avec comité 100% diaspora mettez tête ensemble avec organisation de base pour nous capables de réussir cette UGR. Et nous connaît oligarque corrompu yo y a mettez l'argent à terre pour faire nous mêmes nous pas réussir tout ça mais nous mêmes à travers de volonté comité 100% diaspora et mais nous pouvons réussir ça et mais nous dit la presse écrit la presse parler c'est nous mêmes qui pour aider nous faire travail là pour nous capables joindre une satisfaction pour tout peuple haïtien une satisfaction pour masse défavorisée.
L'autre information, les amis téléspectateurs, plusieurs marchands dans le marché touriste au Cap-là expliquent à Island TV mauvais la vie japonais depuis après le pays a été fermé pour le coronavirus. Étrangers pas venus acheter, tout le marché a coulé, ça qui la cause, les lapins tombés, ils n'ont pas compte qui route pour le faire, d'après témoignage marchands dans le passage à Island TV dans le marché touriste. On suit extrait dans le micro correspondant, nous avons eu un dada pour Island TV. Dans le moment où il n'y a pas d'activité ici encore. Ça passe. Eh bien, puisque nous n'avons pas de blanc. Nous n'avons pas de blanc, nous n'avons pas de blanc ici, c'est ça là qui dit. Pas d'accident. Mais quand il y a le fait que le blanc va venir, nous n'avons pas de blanc. Non, non. Activité, nous devons pour nous mettre, mais ce n'est pas activité de guerre. Si on les constations haïtiens pas passer là, les besoins en chemise, en activité. Moi-même, c'est parti ça. Baudry. Baudry? Oui. Vas-y. Un coup de radio, elle me finit. Vous connaissez. Quand il y a un tempérament, je ne peux pas faire activité, mesdames, c'est samedi qu'on fait longtemps, c'est l'im toujours continue. Bon, étant qu'il y a même pas de toiture. Depuis la pluie, dit mais il coulait. Nous faisons ça pour sauver, mais ce n'est pas. Oh, endurance, les gars. Bon, on doit pour vivre. Parce que je suis là. Je me mets sous compte à bon Dieu. Si bon Dieu a une opportunité, je vais faire un rad, un petit rad, bah, une fête. C'est nos victimes? Nos victimes, parce que nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Comment la sécurité a-t-il de machine? Bon, si c'est la sécurité, nous avons la sécurité. Nous n'avons pas de désunion avec la sécurité. Nous toujours unis. Si nous avons des bagages, la sécurité est toujours bonne. Nous veillons sur nous. La sécurité veille sur nous, mais nous veillons sur la sécurité. Eh bien, depuis à 18 ans, je m'exerce. Et si tu as fixé ça, moi d'ailleurs, je ne suis pas municipal. C'est mon, la Tibonite qui vient, qui est mariée à Komonokap. Monsieur a mouru, j'ai 5 petites. Alors, c'est 5 petits mounions, mais je m'appelle au 2 octobre. À nos jours, j'ai une qui mourut. Okay. C'est moi. Responsable. Je suis devenu jeune, je suis en 2010, actuellement, là, tout choc pour les nefs, pour mon cap, c'est big. Pour mon cap, c'est plein. Avec qui ça fait? Simplement bois. Avec des poissons, c'est là, nous avons fait maintenant. Avec des marques, nous avons fait des marques, ça nous. Avec des marques, les finis, on va pouvoir mettre à terre ça. Nous avons des naïfs. Ça fait super mal. Il fait tout comment. Okay. Allez, ça, vous pouvez m'en faire là, tout ce que comment. Bon. On vit sur le bon Dieu. Bon, parce qu'on va gagner des détails. En Haïti, qui prend carrément un cap de travail. Et quand on travaille là, on va gagner quelqu'un dans l'État qui vient dire. Non. Ça va que j'en fais même un jour. Vous dites ça, c'est un éléphant? Oui. Combien de temps carrément vous faites? Bon, on prend 2 jours, on prend 3 jours. Ça veut dire que commencer là, il faut qu'on finisse. Mais là, nous faisons ça, nous venons à touristes local. Bon, touristes local acheté, après ça, nous. Il y a des gens qui achètent, non, mais nous, quand ils vendent là-bas, dit. Okay.
Pour finir, les amis téléspectateurs, Min Cédrin qui trouve là dans la deuxième section Bassin Manian dans la commune Gonaïve, dans le département La Tibonite. Dans l'année 1960, c'était une grande richesse en compagnie Cédrin, qui est une compagnie canadienne qui a exploité cuivre à Jean pour une cité, ça ou seulement. Plusieurs années après Cédrin Krasiplate, Paul Adolien, qui a travaillé dans la compagnie et puis qui toujours vivre dans la zone, déclaré ici avec un pile la peine, il a gardé toute belle bagaille sacrée et puis pas une pièce autorité qui prend mesure pour sauver richesse. Ça, en suivant l'intervention citoyenne, dans le micro correspondant nous dans la Tibonite, Daniel Daniel, Wailen TV. C'est bien de son côté, blanc et vin point, il y a bon les mines. Mais en pile moun cédrène, pas de jambe dans le travail. Oui. Ça qui fait pas de travail, il n'y a pas de professionnel. C'est moun yo qui a sauté dans quatre coins pays, vin travail ici. Bon, moun cédrène voit maman tellement pas de connaître, tant pour y'a fait dans la compagnie. Pour te manger, est-ce que tu as fait ça avec moun? C'est ouais après, moun a sauté de l'autre côté, vin travail. Mais mon pays a pour manger pour moi. Et pas rien qu'à faire. Je viens à mon mine. Bon, quelques mecs qui te mettent petit à l'école, je commence à évoluer. Bon, je commence à venir dans le travail. Donc, qui a mis? Qui a mis? Oui, j'étais quasi dans le bol mignon. J'étais quasi dans le bol mignon, bon, je commence à faire diminution de monde. Après, blanc de fin compte, vous comprenez? Blanc fin compte là, les campés compagnies par groupe, campé, bon, tout campé là. Il y en a qui a mis l'autre dans sa devenue. Bon, le Christ, le festif divin ouvri. Ok, l'état pour vous, chambre de ouvri. Sénateur, la Tibonite, la Tibonite, la chambre, appelons mes noms. Il dit, pour qu'on baille, pour qu'il y ait papier ouvert, il est le président. Bon, c'est comme ça qu'on va arriver. Il y a baille blanc, panique, blanc, panique. Il n'y a pas de baille papier ouvert. Il va ramener maintenant. Bon, il tout quitté. Donc, le premier combat est ouvert. C'est le second droit. C'est Paul Magloire. Il était ouvert, vous comprenez? C'était Canadien. Quand on a dit qu'il n'y a pas de temps là, il y a pensé qu'il y a besoin. Il y a pensé qu'il y a besoin. Il y a allé. Bon, même 1000 moulins m'a montré. Si n'y a pas déporté Ivan, parce qu'il y a 1000 moulins en dedans là. Il y a même fait moulins là. Ivan est avec blanc dans le pays étranger. Bon, moi, je suis moulin. Mine. Tu as un cuivre, tu as un argent, tu as un paquet de bail là-dedans. Et même si tu prends le moulin fin, il y a le vin dans le pays étranger. Moi, l'homme de vin a grandi parce que les tégés compagnies sont petits, je ne sais pas quel profit mon site fait. Presque tu es comme dadou. Pas de gens qui sont en travail. Vous comprenez? Ils sont pas en travail. Ils restent avec nous parce qu'ils ont fait. Mais si vous avez des gens qui sont en travail, c'est pas comme ça que vous avez fait. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous mettre une route à journal là pour jeudi. Mais avant nous aller quitter nous rappeler tout le monde. Ministère d'Éducation nationale et formation professionnelle là, Nesmi Manuga, visite cet examen dans le lycée national Pétionville, dans l'idée pour garder comment l'examen a déroulé et puis parler avec divers candidats pour demander qui changement vous avez aimé qui porter dans la prochaine année académique là, et puis faire connaître diverses dispositions qui prennent pour élèves qui parlent dans le CV.
équipe Eve Nivier à cause insécurité. Jeudi à 21 juin 2022, c'est deuxième journée examen 9e année fondamentale côté plusieurs candidats dans la région métropolitaine entrer dans la salle classe pour composer. Aïlen TV te visite pour voir comment état d'esprit candidat yu li et puis comment yu même y a passé l'examen ça malgré grand pilote zone gen élève qui pas ka composer à cause insécurité. Unité de lutte contre la corruption ULCC organisée jeudi mardi 21 juin yon atelier présentation sous avant projet loi qui vise protection lancé à l'aide dénonciateur témoin expert ak victime dans matière pénale et yon projet loi ça vise protection tout monde qui voulait aider la justice là nan pote plainte lancé à l'aide dénoncé ak témoin non matière pénale. Fonor dans notre tête collé à la plateforme Révolution Haïti et puis comité 100% diaspora annoncé mobilisation sur tout le territoire national la 7 juillet qui vient là dans cadre commémoration yon l'année la mort ancien président Jovenel Moïse dans ville Konaïf. Yon façon pour voyer un signal by tout pour les gars corrompu. Sans me conseiller avec divers lots qui t'est développé, t'es branché télévision à l'intérieur pour cette programmation. Bye bye tout le monde.